Kylian Mbappé ne cache pas qu'il souhaite remporter le Ballon d'Or cette année. Avec ses 54 buts et 12 passes décisives en 56 matchs disputés la saison dernière, club et sélection confondus, le capitaine de l'équipe de France fait partie des grands favoris pour l'obtention de cette récompense individuelle, dont la cérémonie aura lieu le 30 octobre prochain. Est-ce que ce serait injuste que Kylian Mbappé ne soit pas l'heureux élu du prochain Ballon d'Or ? Voici la question qui a été posée ce dimanche matin, dans Téléfoot, à Didier Deschamps. Question à laquelle le sélectionneur des Bleus a répondu par l'affirmative. Dans l'émission dominicale de football de la première chaîne, deux coéquipiers de Mbappé au Paris Saint-Germain, Vitinha et Achraf Hakimi, ont également défendu la candidature du natif de Bondy. Kylian a déjà beaucoup montré. Il va continuer à le faire. Mais je pense qu'il est le grand favori, a estimé le milieu portugais. Il méritait le Ballon d'Or. C'est un grand joueur et j'espère qu'il pourra le gagner cette année, a ajouté l'international marocain. Pour rappel, les trois critères retenus par France Football pour établir son classement sur la saison 2022 à 2023 sont les suivants, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès accumulé ainsi que la classe du joueur et son sens du fair play.